le dit cheese. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant Tiny Umbrella. Tiny Umbrella sert à quoi? À sauvegarder vos signatures SHSH qui va vous permettre de downgrader votre iDevice. Par exemple, si vous faites la mise à jour sur l'iOS 7 et si vous n'aimez pas l'iOS 7, vous pouvez revenir à l'iOS dont vous avez sauvegardé les signatures SHSH. Donc d'abord, où trouver Tiny Umbrella? Bah, sur notre site internet thedcheese.webs.com et d'aller tout simplement dans la partie download. Voilà, download, et juste cliquer sur le lien Dropbox et faire télécharger. Moi j'ai déjà téléchargé, donc moi je l'ai épinglé, donc le voilà. Donc là, après, il faut l'ouvrir en administrateur. Donc là, moi j'ai branché mon iPod Touch 2G, jailbreaké sous le iOS 4.1.2. Donc il s'ouvre, tiens voilà. Et là, tiens voilà, est très simple à utiliser. Vous allez arriver sur le logiciel. Là, avec ce logiciel, donc là il y a, les iDevices connectés. Donc là il y en a qu'un, il y a mon iPod, je vais pas faire la mise au point, tant pis, c'est pas grave. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur l'iPod, de faire save SHSH, et là Tiny Umbrella sauvegarde votre signature SHSH. Et là vous pouvez voir que sur l'iPod il a mes deux firmware d'iPod Touch. Donc si ça marche pas, il suffit d'aller dans Advanced et d'enlever cette icône là. Donc request SHSH from Cydia, et vous faites général save SHSH, et là ça va vous garder si par exemple notre appareil est jailbreak et que par malheur il y aura un bug, vous pouvez revenir à votre ancien firmware grâce à Tiny Umbrella. C'était le Dit Cheese. Au revoir.